Yo les amis, c'est Becky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un petit appareil. Et franchement, pour un produit chinois, car il s'agit d'un produit chinois, le packaging est plutôt franchement assez classe. Voilà, il s'agit d'un nouveau boîtier d'acquisition 1080p. Au départ il était à 20 ou 21 euros. Sur Rakuten, et il y a eu, entre temps que je le commande, il y a eu une grosse promotion de à peu près 5 balles, enfin un peu plus de 5 euros dessus, donc je l'ai payé que 15 euros, voire un peu moins 15 euros. Et le packaging, franchement, est quand même assez stylé. La boîte est de très bonne qualité, donc ça s'ouvre sur un slip cover comme ça. Que d'habitude, c'est posé dans une belle boîte en carton brune, et éventuellement un petit bout de plastique dedans pour le maintenir. Ici, on a une petite boîte verte. De très 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 bonne qualité, hein. Franchement, pour un produit chinois, franchement, c'est cool. Donc ici, on retrouve donc l'appareil qui est juste là. Donc on va le retirer. Et en dessous, on a apparemment il y a deux câbles ou un seul câble. Apparemment, il y a deux câbles USB. On regardera ce que c'est après. Pourquoi il y en a deux. Et la petite notice, voilà, ici c'est le petit manuel, hein. Le petit manuel est appelé, bon, tu connais la plainte, hein. Donc instruction, donc apparemment tout est en anglais et chinois, comme d'habitude. Bon, après c'est un boîtier d'acquisition, c'est pas non plus super compliqué de savoir comment ça fonctionne, hein. Mais c'est quand même cool qu'ils ont mis le manuel et tout avec. Donc alors au niveau des câbles, qu'est-ce qu'on a? On a un câble en micro USB. Voilà. Donc câble micro USB d'un bout et USB normal à l'autre côté. Bon, la qualité des câbles, c'est de la merde, hein. C'est chinois. Ils sont pas tressés et tout. Au niveau des finitions ici au bout, ça peut aller, mais ça, on sait très bien que ça ne tiendra pas dans le temps. Enfin, sauf pour un boîtier d'acquisition qu'on ne bouge pas trop souvent, mais par exemple pour un téléphone, ça risque de péter très facilement, hein, parce que la qualité est vraiment très très bas de gamme. Mais bon, un boîtier à 15 balles, on va pas se plaindre. Donc ici, donc petit USB en micro USB. Et ça, je ne savais pas qu'il y avait deux USB. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est plutôt cool. Non, franchement, ah ben, franchement ce vendeur-là, je le recommande, mais putain, c'est un truc de fou. L'autre câble, en fait, c'est tout simplement un double câble USB. Bon, mal. Vous allez comprendre après. C'est à peu près le même principe que celui que j'ai déjà, hein. Mais ici, ils ont mis un câble en plus. Pourquoi? C'est pour l'alimentation. Donc, on va sortir l'appareil. Voilà, donc voici l'appareil, c'est exactement le même que j'ai, donc USB 3 d'un côté, une sortie HDMI, enfin une entrée plutôt ici HDMI, et de l'autre côté on retrouve la sortie HDMI et le petit coin d'alimentation. Donc le premier câble, il se met ici, voilà, pour alimenter l'appareil, soit directement en USB sur votre PC ou via un chargeur de téléphone. Moi ici, celui que j'avais en bas, bah, qui est remonté au-dessus maintenant, j'ai essayé directement via le PC et tout, c'est un peu la merde. Donc j'ai opté directement pour le brancher, directement sur un boîtier de téléphone. Non, ça c'était en bas, pardon. J'avais essayé donc de le brancher sur un boîtier de téléphone, mais c'était un peu, enfin là, c'était trop la galère parce que le boîtier était quand même assez loin de la fiche. Donc du coup, je l'ai branché directement en USB sur le PC. Et ici au-dessus, il est rebranché sur l'ancien câble USB qui est raccordé à mon PC. Et, qui est branché ici. Donc, bon, ici, on peut le brancher donc avec ce câble-là. Ben, c'est même obligatoire, hein, de toute façon. Et on peut le brancher soit sur un... Peut-être éventuellement une télé, si votre télé, l'USB de la télé donne assez de puissance. Mais sinon, soit avec un chargeur de téléphone, ou soit directement branché sur ton PC. C'est pas ce qui fait la connexion entre le boîtier et le PC, hein. Donc ça c'est juste un câble d'alimentation, hein. Le deuxième câble par contre, là tu es obligé de le brancher sur ton PC parce que c'est ce qui va relier, enfin c'est ce qui va permettre au PC de récupérer la vidéo. Donc c'est tout simplement ce câble là.
Par contre, ces câbles-là, c'est ça qui est un peu la merde avec les boîtiers chinois, c'est que le boîtier, comme tu te vois, il est alimenté en USB 3.0, mais le câble ici qui te fournit, c'est du 2.0. Bon, ça fait le taf, hein, mais au niveau de la vitesse de transfert et tout, ça fera beaucoup moins le taf, donc tu auras peut-être perdu un petit peu des données, quoi, où les données vont pas se transférer assez rapidement, et tout ça. Donc tu le branches ici. Voilà. Et tu rebranches ce câble-là à ton PC. Ensuite. Là, ici, sur l'entrée ici, tu vas brancher ça sur ta console. PS2, enfin bon, si tu as un convertisseur pour PS2, PS2, PS3, enfin tout ce que tu veux, même la PS5. Donc ici, là où c'est marqué output. Voilà. Et à l'autre bout, où c'est marqué input, donc c'est la sortie, ça tu peux soit ne rien mettre dessus, parce que normalement avec ce genre de boîtier-là, tu n'as pas de latence, donc tu peux regarder directement via OBS, donc jouer directement via l'écran d'OBS, mais tu peux aussi le brancher un câble HDMI et le rebrancher sur ta télé. À ce moment-là, ce que tu fais, tu ouvres ta fenêtre OBS sur ton écran de PC. Une fois que c'est fait, eh ben, tu bascules sur ton écran de télé, pour avoir le retour directement du jeu sur ton écran de télé et avoir un écran de retour pour le chat et tout ça avec OBS quoi, sur ton PC. Mais tu peux jouer, moi du moins avec celui que j'ai là, le petit qui est là, je peux jouer directement sur l'écran d'OBS parce qu'il y a zéro, enfin, allez, je vais pas dire qu'il y a zéro latence parce qu'il y a quand même un petit peu de latence, mais il y a 0,1 milliseconde de latence quoi. Pas comme par exemple le boîtier Elgato où tu avais entre une voire 1 seconde et demie de latence. Donc tu joues par exemple à un jeu. Quand tu appuies sur le bouton, la latence c'est simple. C'est quand tu appuies sur le bouton, eh ben, tu vas attendre 1 seconde, voire 1 seconde et demie avant que tu voyes l'action à l'écran. Voilà, c'est ça la latence pour ceux qui ne savaient pas. Et eh ben, ici, avec ce boîtier-là, tu appuies dessus, boum, c'est quasiment instantané. Ça réagit, mais à une vitesse, mais phénoménale. Donc ici, je ferai bien sûr quelques tests de ce boîtier-là. Donc c'est le HDMI Video Capture Wind Loop. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. Il est actuellement à 15 balles sur Rakuten. Encore une fois, c'est tout en métal. Bon, ici, la finition est un petit peu moins jolie, moins propre que celui que j'avais payé là. Donc, j'avais payé 15 balles aussi, à peu près, 10-15 euros. Mais bon, ils ont fait un effort par rapport à l'emballage. Bon, ça, à la limite, j'aurais préféré avoir un emballage un peu moins luxueux, on va dire, et avoir un boîtier d'acquisition peut-être un peu plus quali. Parce que ici, on voit bien que le métal. C'est vraiment limite comparé à l'autre où le métal est vraiment hyper propre, bien bien solide et tout, et métal brossé en plus. Enfin, imitation métal brossé. Hein. Donc voilà. Donc je vais le tester dès que j'aurai le temps. Parce que en bas, enfin peut-être ici, je le testerai ici, peut-être au-dessus. Mais ça va être un petit peu la galère parce qu'il va falloir que je reconfigure OBS ou carrément recréer une nouvelle scène. Donc je verrai bien. Sinon j'attendrai tout simplement que le PC en bas soit de nouveau opérationnel. Là normalement dans. Quelques temps ça devrait être le cas parce que j'ai un pot qui va peut-être me dépanner d'un water cooling pour remettre sur le PC en bas parce que j'attends toujours le mon water cooling pour LDLC qui est en remplacement pour la deuxième fois et le water cooling que je vais récupérer donc c'était bah, tout simplement le Enermax que j'avais avant mais en neuf ce coup-ci donc mais je vais pas le remettre dessus parce que je compte changer de marque je vais peut-être prendre la Horus en 320 mm ou 340, je sais plus, enfin bref, pour remettre à la place donc de la Enermax. Donc le Enermax, je vais le revendre hein, à un ami. Et le petit water cooling qui est là, ben, qui vient du PC en bas, va rester sur celui-là en attendant. Parce que j'ai changé ça courant du mois de septembre normalement. Donc même pas dans un mois, donc enfin, un peu moins d'un mois, je vais y arriver. Donc voilà, donc j'ai pas m'amuser à redémonter le petit water cooling que là pour ensuite remettre le Enermax dessus et pour que même pas un mois après je vais encore rechanger, enfin redémonter le Enermax pour remettre la Horus quoi, tu vois. Ça va faire 3 fois de démontage, 3 fois de la pâte thermique et tout, et la pâte thermique j'en ai presque plus. Donc ça va faire un peu chiant. Donc on va laisser celui-là jusqu'au mois de septembre. Peut-être jusque fin septembre, le petit, de toute façon il fait largement le taf. Et je rachèterai un Enermax quand même pour quand je devrais pousser le PC un peu plus dans les retranchements. Parce que c'est vrai que quand il monte un petit peu trop,
Enfin, ça dépend ce que je fais avec le PC. C'est vrai que le petit water cooling que là montre des signes. Bah, il est trop petit, quoi, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Mais bon, pour la plupart des trucs que je fais, donc vidéo, montage sur YouTube et tout ça, ça va, ça fait le taf. Mais c'est dès que je commence à jouer avec certains jeux, on sent que le ventilateur a un peu mal, quoi. Mais bon, après, pour un 120 mm, il fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Hein, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la référence, qui n'ont pas un gros PC, genre un i9, tout ça, qui ont un i7, un i5, c'est le Master Liquid ML120L V2 de chez Cool Masters. Ben, franchement, je crois qu'il coûte entre 60 et 70 €. C'est une dinguerie le truc. Hein. Franchement, il fait le taf, mais c'est hallucinant. Donc voilà les potos concernant bah, une petite unboxing hein, de Poitiers chinois, t'as vu, vraiment qualitatif la boîte, franchement. C'est cool. Ça fait plaisir d'avoir des vendeurs comme ça, même s'ils ont des produits pas trop chers, eh ben, qui soignent quand même le. J'ai pas dire leur marque parce que c'est des. Il n'y a pas de marque. Mais qui soignent quand même le design de leurs produits. Même si c'est des produits bon, qui sont utilisés par d'autres sociétés, ben, ils soignent quand même leurs clients, on va dire, hein, en mettant des produits très qualitatifs. Donc, parce que ça, c'est cool parce que cette boîte-là, ben, elle va tout simplement partir dans le truc. J'arrive même pas à remettre le stick. Écoute, non, c'est comme ça. Voilà, donc cette boîte-là bah, va tout simplement rejoindre les autres boîtes de matériel pour le PC en bas. Hein. Voilà, question dans le setup quoi. Fait joli. Voilà. Donc voilà les potos. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter comme d'habitude et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie de soutenir la chaîne, il y a deux possibilités, enfin même trois possibilités. La première, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre sponsor pour un mois pour 1,99 €. Deuxième possibilité, tu peux faire des dons, soit via la chaîne, via Super Chat, via mon Tipeee ou mon Utip. Et troisième possibilité, et celle-là, elle est gratuite, tu vas cliquer tout simplement dans la description sur l'onglet Tipeee, regarder des pubs Tipeee, tu cliques dessus et il y aura des clips à regarder et tu me rapportes 3 centimes par clip visionné. Voilà, c'est tout simple, ça coûte pas 1 centime là. Donc si tu veux vraiment soutenir la chaîne, ben je te remercie déjà d'avance. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.